extrêmement bien joué. J'ai pris encore 16 greens comme hier, j'ai pas raté un fairway. Je me suis mis plus proche des drapeaux aujourd'hui qu'hier. Et voilà, c'est pas le pire que je pouvais faire, moins 3, mais quasiment, parce que vraiment j'ai fait beaucoup, beaucoup de très bons coups. Et le putting n'a pas été exceptionnel. Hein. J'ai eu des putts en fait très difficiles pour birdie, comme au 11. J'étais à 1m20 et j'ai juste essayé de faire que le 4, parce que le green est vraiment très compliqué si on passe le drapeau. Et voilà, c'était la journée vraiment parfaite, à part le petit bémol au 15 où un 4 s'est transformé en 6. Voilà. J'avais un chip qui était pas difficile, je la mets à 1m20, je fais 3 putts à 1m20. L'allée c'était parfait, je suis très content, c'est mon meilleur allée je pense depuis que je joue ce parcours, moins 3 en faisant bogey au premier trou. Donc oui, l'allée je me sentais vraiment à l'aise, j'ai fait des coups très 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 bons et le coup de fer, le meilleur coup d'aujourd'hui. C'est le coup de fer 7 du 10 où je ne l'ai jamais donné, alors que ce n'était pas un coup très évident. Quoi. Donc voilà, je suis très contente de comment je joue. J'ai hâte de jouer ce week-end et de pouvoir essayer de défendre mon titre jusqu'au bout. Les faits sont là, hein. Je tape très bien la balle. Je me sens bien, je me sens à l'aise. Forcément, c'est un parcours qui me réussit bien. J'ai pas besoin de trop de penser, hein. Je connais vraiment déjà très bien le parcours, donc ça c'est aussi un atout, c'est un avantage. Chaque année c'est différent, hein. On sait pas à combien ça va se gagner et tout ça, donc bon bref. Non mais je me sens à l'aise, donc c'est le principal. Avec 2 tours à jouer, c'est rien, j'avais 5 coups de retard, il me restait 9 trous à jouer, hein, l'année dernière. Donc pour le moment on est encore dans les cordes pour la gagne. Moyen en résultat pur parce que c'est pas terrible, enfin c'est pas terrible, c'est pas ce que j'espérais. Maintenant c'est positif parce que je joue vraiment très très bien et je mets pas un putt, je galère vraiment au putting, je mets des coups très très près, je mets pas les putts. Quand je rate des greens, je fais des bogeys, donc c'est un peu compliqué au putting parce que vraiment je tape super bien, j'ai pris 16 greens avec des coups très près, donc c'est un peu frustrant, mais j'essaie de garder le positif, me dire que je tape très bien et ça peut tomber fort demain ou dimanche. Donc j'essaie de garder la tête haute, mais c'est vrai que des journées comme ça, c'est frustrant. Donc, moi, il faut vraiment que demain, je trouve la cinquième, quoi, et que j'accélère un peu parce que je sens que je suis vraiment pas loin et en même temps, ça veut pas tourner. Je vais aller voir Benoît là tout de suite et puis on va voir ça, on va essayer de trouver une solution parce que au-delà du score en lui-même, c'est pas très fun pour moi, donc voilà, on va essayer de trouver une solution. Ouais, je suis assez contente parce que j'ai réussi à bien scorer et faire pas mal de birdies, j'en ai fait 5, donc pour moi c'est pas mal. D'habitude je fais beaucoup de parts et là donc j'ai bien réussi à rentrer des putts et oui, je suis en général très satisfaite de ma partie. Ouais. J'ai converti pas mal d'opportunités en birdie, ce qui n'était pas le cas hier. Hier, mon long jeu, j'avais trouvé qu'il était meilleur, mais j'avais vraiment pas réussi à rentrer les potes, quoi. Donc c'est vrai que ça fait vachement plaisir de pouvoir changer ce putting un peu et scorer beaucoup plus bas. Ouais.